Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau direct. Bonsoir Arlette, bonsoir Eliane, bonsoir Pierrette, bonsoir Annick, bienvenue. Alors comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on va encore faire un bouquet parce que j'ai reçu un bouquet il n'y a pas longtemps et du coup je me suis dit que c'était la bonne occasion pour l'immortaliser. Bonsoir Fanny, bienvenue. Oui, Aria est aussi avec moi. Je pense que vous l'avez entendu. On l'entend souvent miauler, pas très loin de moi. Et là, en ce moment, elle est à mes pieds. Alors, j'ai mon bouquet qui est juste ici. Donc, bien sûr, vous ne le voyez pas en entier, mais j'ai mis une petite photo ici. Comme ça, vous avez une image de référence pour pouvoir le peindre. Bonsoir Marie, bienvenue. Et ici, j'ai fait un test, en fait, je l'ai fait hier, assez rapidement. C'est pas une aquarelle qui me plaît beaucoup, et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette image-là, parce que la composition du bouquet à l'origine ne me plaisait pas tant que ça, parce que ça faisait vraiment une grosse boule, et je voulais quelque chose d'un petit peu plus léger. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette image. Bonsoir Joanne, bonsoir Gilles, bienvenue. Et c'est en faisant cette image-là que je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Donc c'est toujours bien de faire quelques tests pour voir et pour avoir un autre point de vue et voir si votre idée fonctionne. Alors je vais la mettre de côté puisque on va commencer. Alors j'ai pas la palette habituelle aujourd'hui. J'ai une nouvelle palette qui est en porcelaine. Et vous allez voir que... Pardon. La surface est vraiment très très agréable à peindre et pour faire les mélanges de couleurs c'est assez dingue comme c'est agréable. Mais bon, et du coup comme elle est beaucoup plus petite que ma palette habituelle, je peux aussi travailler avec une sélection de couleurs beaucoup plus courte et je suis moins tentée d'en rajouter et d'en rajouter et d'en rajouter. Bref.
Donc aujourd'hui, mon papier est un papier Arche en grain satiné. Donc c'est un papier très très lisse. Vous savez que ça fait des effets de dingue que j'aime beaucoup. J'ai un gros pinceau rond, un autre pinceau plat avec le bout arrondi. Vous voyez, il est plat. Et un petit pinceau en forme de dague, comme d'habitude. Donc ce sont tous des pinceaux synthétiques. Et pour les couleurs, aujourd'hui, ici, j'ai l'indigo, le gris océan que j'ai déjà utilisé, il me semble, dans un dernier direct, la laque de Garance Rose, et... alors, aujourd'hui, ça n'est pas le jaune de Nicolazo, mais c'est exactement le même pigment. C'est la laque jaune de Sennelier. Et le pigment, c'est le PY150, et c'est le pigment du jaune de Nicolazo. Donc c'est la même couleur, c'est juste pas la même marque. Alors, comme mes couleurs sont restées un petit peu longtemps à l'air libre, je vais juste les réactiver avec un peu d'eau. Et tout de suite, ça fait des effets, c'est dingue. Et on va commencer cette aquarelle avec donc le plus gros pinceau. Je ne fais pas de dessin avant de commencer parce que je veux beaucoup de liberté. Et on va voir comment ça se déroule. Alors, une fois que mon pinceau est bien bien mouillé, on va commencer peut-être juste par mouiller de manière un tout petit peu aléatoire pour que il y ait quelque chose qui se passe. Voilà. J'ai fait quelques traits d'eau. Je pense que vous le voyez avec un peu avec le reflet. Voilà. Il n'y a rien de... J'essaie de ne pas trop penser quand je fais ça. Je mets juste de l'eau au hasard et on verra ce que ça donne. Alors, dans mon aquarelle d'hier, j'ai commencé par peindre le rose d'Ulysse. Et là, je veux faire différemment. Je veux commencer par ajouter plutôt la masse de feuillage. Donc pour ça, je vais prendre de l'indigo avec le jaune, qui est donc la laque jaune de Sennelier, mais c'est la même chose que le jaune de Nicolazo. Je vais concentrer un petit peu plus mes pigments parce que là j'ai vraiment beaucoup d'eau. Je vais même absorber un petit peu du trop plein d'eau sur le côté du pinceau. Voilà. Et vous voyez, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette palette en porcelaine, même si je l'ai utilisée qu'une seule fois. Ma couleur se voit bien sur la surface. Il n'y a pas de gouttes en relief qui se forment. On voit vraiment la flaque de pigments telle qu'elle apparaît. Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne indication sur la quantité de pigments. Je trouve que je vois mieux si j'ai suffisamment de pigments dans mon mélange ou pas. Voilà. Alors, et puis on va ajouter du vert et on va essayer de pas trop réfléchir. Voilà. Et vous voyez comme il y a déjà de l'eau sur mon papier, la couleur voyage déjà et il se passe quelque chose. Alors. Je ne vais peut-être pas avoir exactement le même point de vue que sur ma photo de référence qui est juste ici, parce que j'ai le bouquet devant les yeux et du coup, mon point de vue est légèrement différent. Mais vous pouvez vraiment vous baser sur cette image-là, pas de problème. Alors, je vais ajouter un tout petit peu plus d'indigo dans mon mélange. Voilà. Et alors je vais faire bien attention à faire déborder le vert sur le côté pour comme une ouverture en fait de l'image sur le côté gauche. Hop, je vais fondre un petit peu ce qui se passe ici. Alors, je ne vais pas ajouter tout de suite le vase. C'est pour ça peut-être que je vais faire un petit peu plus attention à ce que ce soit un peu plus fondu par ici pour me laisser plus de liberté après.
On va mouiller toute la zone, comme ça, pas de surprise, pas de mauvaise surprise. Voilà. Alors, je vais bien rincer mon pinceau et on va passer à la couleur du lys. Alors, comme vous l'avez vu sur mon image que j'ai réalisée hier, mon lys est beaucoup trop rose, beaucoup trop présent. Donc on va essayer de créer une couleur qui soit toujours rose, mais on va essayer de la faire légèrement différemment pour qu'elle représente un petit peu plus cette couleur de lys que dans mon essai précédent. Donc en fait, je ne fais pas un rose uniquement avec la laque de Garance Rose, je mélange un petit peu de laque jaune, donc le jaune de Nicolazzo si vous l'avez, parce que le rose d'Hélice, c'est un rose quand même un petit peu plus chaud que la laque de Garance Rose, donc ajouter une pointe de jaune, ça fait l'affaire. Donc j'ai trois fleurs de lys, j'en ai une qui est très très ouverte, une qui est un petit peu ouverte et une qui est encore en bouton. Donc on va essayer de trouver les formes de ces pétales. Et je me sers vraiment de la forme de mon pinceau. Vous voyez, c'est un pinceau ovale, donc c'est presque la forme du pétale. Donc je me sers de ça pour réaliser les pétales. Alors, j'ai posé une première couleur. Il y a du vert qui va un petit peu trop dans le rose, donc je vais venir juste le récupérer avec mon pinceau légèrement assoiffé. Et je vais refaire un peu de mélange. Donc toujours avec la laque de Garance Rose et une pointe de jaune de Nicolazzo. Mais un petit peu plus de pigment cette fois-ci. Et je vais venir juste la poser à la base de la fleur. Et elle devrait voyager. Voilà. On peut peut-être même mettre un tout petit peu de laque de Garance Rose quasiment pure. Voilà. Et on va le tirer légèrement vers le vert. Il y a une petite chose qui ne me plaît pas, le contour ici est très 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 franc. Donc mon pinceau est rincé et il est légèrement essoré. Et je vais juste passer la pointe du pinceau par ici et légèrement flouter pour donner un côté un tout petit peu plus aérien à la fleur et qui est moins ce bord très net et très affirmant. Alors, on va faire ensuite celui qui est un petit peu plus fermé. Alors, sur mon image de référence, il est même plus fermé qu'en vrai, puisque j'ai pris mon image, ma photo, ce matin. Et entre-temps, il s'est quasiment ouvert. Alors, on va le positionner par ici. Et ma couleur est un petit peu trop dense, mais je peux rincer un peu mon pinceau. Il y a toujours de la couleur dessus. Je prends le temps de regarder ce qui se passe sur ma photo. Et on y va. Et on va faire bien le lien avec une zone verte. Comme ça, il y a du vert, vous voyez, qui va fuser dans le rose. Et ça va donner le lien entre les deux. Alors, on va faire le dernier. Mais le dernier n'est pas rose, il est vert. Puisqu'il est encore totalement fermé. Donc je vais reprendre mon mélange de vert avec l'indigo et le jaune de Nicolazzo. Et cette fois-ci, il y a un petit peu plus de jaune de Nicolazzo, qui est donc la laque jaune aujourd'hui. C'est pas très grave, Marie, si vous avez une urgence, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout à fait regarder le replay, il n'y a aucun problème. Et j'espère que tout ira bien pour vous. Donc je prends mon mélange d'indigo et de laque jaune, et on va faire le bouton. Alors, on va le faire par ici. Et vous voyez, je n'ai pas totalement bien rincé
mon pinceau. Donc il y avait un petit peu de mélange de rose qui était resté sur mon pinceau. Et du coup, j'ai un vert qui est un petit peu sali. Et je trouve que ça fonctionne bien pour cette couleur du bouton. Donc on va le laisser comme ça. Alors, je reprends un peu de recul pour voir ce qui se passe et pour voir ce qu'il est temps d'ajouter. Et je pense que maintenant, il serait temps d'ajouter donc la branche d'eucalyptus. Voilà, j'avais perdu le nom. Donc je vais prendre mon plus petit pinceau parce que je veux un tout petit peu plus de précision maintenant. Donc c'est mon pinceau plat à bout ovale. Et je vais utiliser de l'indigo avec une petite pointe de laque jaune, mais quand même principalement de l'indigo pour avoir une sorte de turquoise un peu sombre. Je vais même peut-être ajouter un petit peu de gris océan. Voilà. Et comme ça, on a un vert grisé avec des accents turquoise et je trouve que c'est une très bonne couleur pour l'eucalyptus. Si vous n'avez pas le gris océan, essayez juste d'avoir un vert un peu grisé. Donc, mélangez peut-être du turquoise avec une pointe de rose et vous devriez avoir quelque chose d'assez similaire. Donc, je vais placer cette branche d'eucalyptus par ici. Puis on va même aller jusqu'en bas, comme ça fera aussi une autre ouverture. Et alors pendant que c'est encore humide, je vais prendre de l'indigo et du gris océan, mais cette fois-ci en beaucoup plus concentré sur mon pinceau. Et je vais en déposer là où la feuille joint la tige. Alors il y a des endroits où c'est déjà trop sec, mais c'est pas grave. Je peux réactiver un petit peu la zone et avoir cet effet. Donc du coup, on a un effet beaucoup plus sombre à l'endroit où la feuille rejoint la tige. Et ça donne tout de suite un tout petit peu de volume. Alors, on va essayer d'en placer une autre. Donc je refais mon mélange avec de l'indigo, une pointe de laque jaune et un peu de gris océan. Ici, mon mélange n'est pas exactement identique à ce qu'il était tout à l'heure. Ce n'est pas un problème. Au contraire, ça donne de l'intérêt aussi. Voilà. Et je refais une deuxième feuille. Alors, avant que ça sèche, je rince mon pinceau. Je refais un mélange avec de la couleur beaucoup plus concentrée. Je vais venir la poser. Voilà. Et vous voyez qu'en plus, comme j'utilise de l'indigo qui a un très fort pouvoir pour filer dans les zones humides, on a des effets qui se créent, qui sont assez sympas. Alors cette zone-là est quasiment déjà sèche. C'est dingue. Je ne m'attendais pas à ce que ça sèche aussi vite, mais c'est pas grave. Et on va peut-être rajouter une petite troisième branche d'eucalyptus pendant qu'Aria râle un peu parce qu'on n'y prête aucune attention. Voilà. Et on va faire cette branche peut-être un peu plus par là pour lui donner un petit peu plus de dimension. Alors, je suis désolée si vous entendez quelques frappes de clavier. Mon mari est encore en train de travailler. Et il a besoin donc d'écrire avec son clavier. Mais c'est pas très grave, on va faire avec. Je pense pas que ça vous dérange de trop. Donc j'ai refait une petite branche, mais vraiment une toute petite. Et on va vite, avant que ça sèche, ajouter ma couleur comme je l'ai fait pour les autres. Voilà. Ça permet vraiment de donner du relief et de les rendre vivantes dès la première couche, cette petite astuce. C'est plutôt une bonne chose.
Alors, je vais juste étirer un petit peu plus la couleur par ici pour pas qu'il y ait de marque de démarcation trop forte. Ici, j'ai une flaque, je vais venir l'absorber. Voilà. J'en ai une aussi ici et oui, je vais l'absorber aussi. Et vous voyez comme le vert a filé dans le rose et ça donne vraiment cette impression d'unité entre la tige et les pétales de la fleur. Donc ça fonctionne plutôt bien. Alors, on va essayer de travailler un petit peu le feuillage. Alors j'ai du feuillage très très fin avec plein de petites feuilles. Il y a aussi les feuilles des lys. Donc on va essayer de trouver quelques formes de feuillage dans tout ça. Donc je vais réutiliser cette zone-là sur ma palette avec du jaune de Nicalazzo et je vais essayer d'être un petit peu plus généreuse aussi avec mes couleurs et de l'indigo. Donc je vais créer un vert peut-être un peu plus clair, un peu plus tendre que celui du début. Donc avec un petit peu plus de jaune. Et on va essayer de trouver des feuilles, des tiges. Alors bien sûr, il y aura des zones qui seront un petit peu plus sèches. D'autres non. Et c'est totalement normal. Puisque c'est ma première couche et il y a encore des zones qui sont très humides. Bonsoir Christine, bienvenue. Alors j'essaie toujours de me servir de mon pinceau, de la forme de mon pinceau qui est arrondi, pour créer des formes, du feuillage. J'essaie pas vraiment de dessiner en fait. Je me sers juste du pinceau, un peu comme une empreinte, pour créer tout ça. Bonjour Énergie, bienvenue. Et du coup, on a aussi un beau contraste qui est en train de se créer entre le vert plutôt chaud des lys et du petit feuillage et le vert plutôt froid, presque bleuté, presque turquoise de l'eucalyptus. Donc du coup, c'est assez intéressant. Alors, on va essayer de mettre un petit peu, de définir un petit peu le vase. Même si je pense que je vais le laisser très très flou. Mais on a besoin qu'il soit un petit peu plus défini. Parce que pour l'instant, on ne le voit pas du tout. Donc il faut qu'il existe quand même. Donc là, je vais prendre de l'indigo. Je vais rincer mon pinceau vite fait pour éviter de trop salir la laque de Carence Rose. Voilà. Et je vais mettre une pointe de jaune. En fait, je mélange un peu mes trois couleurs primaires pour avoir une couleur à peu près neutre, un gris en fait, qui soit à peu près équilibré. Donc des fois, ça peut prendre un peu de temps pour mélanger cette couleur. Je vais vous la montrer si vous voulez. Mais si vous avez déjà un gris comme le gris de peine, vous pouvez l'utiliser si c'est plus facile pour vous, il n'y a pas de problème. Mais j'essaye d'avoir donc une couleur assez foncée et assez neutre. Alors. Donc le haut de mon vase va se trouver ici. On va faire le col un peu comme ça. Hop, je rince. Et je tire un peu la couleur. Et on va peut-être lui donner son petit côté ventru quand même. Voilà. Donc là, c'est vraiment une première ébauche du vase.
J'y reviendrai sûrement un peu plus tard, mais là j'ai aussi besoin de faire descendre les tiges dans le vase. Et donc je vais reprendre mon verre. Hop. Donc je remélange du bleu indigo et du jaune de Nicolazzo. Et peut-être un peu plus de bleu indigo cette fois-ci parce que je veux un vert beaucoup plus foncé, parce que cette zone-là est dans l'ombre. Et du coup, on a vraiment besoin. On peut même rajouter un peu de foncé qui va se fondre dans les zones humides par ici. Voilà. Et comme cette zone-là est entièrement humide, du coup, les tiges vont se fondre. On va quand même les voir assez définies, mais elles vont se fondre dans le vase. Alors, j'ai rincé mon pinceau et là, je vais prendre un peu de gris océan. Et je vais venir juste ajouter un peu de cette couleur en fait dans les zones de gris du vase. Voilà, je rince et je vais venir tirer un peu la couleur. Et ici, on va peut-être même faire un peu une ouverture par ici pour qu'il y ait un contour plus doux, cet endroit-là. Voilà. Alors, pense qu'il va être temps de sécher cette première couche avant d'ajouter plus de choses parce que cette zone-là est vraiment beaucoup trop humide et je ne peux pas rajouter de détails dans cette zone-là pour l'instant. Alors il y a peut-être cette zone-là qui me paraît un peu claire, mais en même temps j'aime assez qu'il y ait cette zone de lumière ici. On va essayer juste d'avoir un petit peu plus de lien. Peut-être avec. Voilà. Et cette branche-là n'a pas vraiment d'appui. Voilà. Donc, je vais faire sécher au sèche-cheveux comme d'habitude. Je vais vous couper le son pour ne pas vous casser les oreilles. Comme d'habitude, si vous avez des questions, c'est le bon moment de les poser puisque je les verrai pendant que je sèche mon aquarelle. Et on se retrouve tout de suite, une fois que c'est sec, pour la suite. À tout de suite.
Alors, ma surface est suffisamment sèche, on va pouvoir continuer. Bonsoir Claudie, bienvenue. Et vous voyez, je pense que maintenant qu'il y a pas mal de couleurs sur ma palette, vous pouvez voir que ça reste. Enfin, les couleurs se voient beaucoup mieux que sur une palette en plastique, parce que la couleur s'étale sur la zone sur laquelle je l'ai mélangée. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors, j'ai aussi changé mon eau pour avoir de l'eau propre, parce qu'elle commençait à être un peu trop verte et j'ai besoin de travailler le lisse avec des couleurs roses et ne pas trop les salir avec le vert. Donc j'ai préféré changer mon eau. Alors je change de pinceau aussi pour ce pinceau en forme de dague. Et on va s'attaquer un peu aux petits détails sur le lisse. Alors, je vais essayer de regarder mon image de référence pour faire quelque chose que vous pouvez voir aussi. Alors, je vais d'abord refaire du mélange de rose. Donc, c'est la laque de Garance Rose avec une pointe de jaune, de laque jaune ou de jaune de Nicalazzo. Et on va essayer de trouver un petit peu les zones où il y a un peu plus de couleurs. On peut en avoir une zone ici. Une zone par ici qu'on va fondre tout de suite vers la pointe du pétale. Voilà. On va aussi faire une petite zone un peu plus foncée par ici. Et on va essayer de bien marquer cet endroit-là. Voilà. Voilà, donc je vais essayer de noter l'intérieur qui est légèrement plus foncé que l'extérieur. Donc juste en rajoutant une petite couche de couleur à cet endroit-là. Mon lisse va rester assez clair tout du long parce que même si ce sont des lisses roses, ce sont des fleurs très très claires. Et j'ai surtout cet exemple en tête où la fleur est beaucoup trop foncée et je préfère un peu cette légèreté qu'il y a ici. Alors, je vais faire la même chose maintenant pour celui-ci. Et d'ailleurs, j'ai refait un mélange pour ce bouton-là avant de le peindre. Et vous voyez qu'il est un petit peu plus rose, il y a un petit peu moins de jaune dedans. Et c'est quelque chose peut-être pas volontaire, mais qui est plutôt très bien. Parce que du coup, il y a une petite différence de couleur. Les fleurs ne sont jamais exactement de la même couleur tout le temps. Donc, cette petite différence est plutôt la bienvenue. Alors, cette fois-ci, c'est cet intérieur ici que je voudrais marquer et il y a une sorte de petite rainure par ici. On va flouter par ici, un peu par là. Et je pense qu'on peut s'arrêter là pour celui-ci. Alors, on va faire le bouton maintenant. Alors là, il a une couleur qui dénote un petit peu du reste de l'aquarelle. Donc je vais essayer de corriger un petit peu ça en mettant des couleurs dans le détail de ce bouton qui se rapproche un petit peu plus du reste des verts qu'on trouve dans ma palette, mon aquarelle, pardon. Alors je reprends un peu le mélange de verts qui est ici, donc jaune de Nicalazzo et indigo. Et ce qui est le plus définissable sur les boutons de lisse, c'est qu'ils ont ces rainures qui sont assez marquées. Voilà. Et on va aussi en profiter pour lui donner une petite ombre. Alors je vais regarder mon image de référence pour savoir dans quel sens. Et on va dire que c'est plutôt par là. Voilà. Et je vais venir flouter bien sûr l'ombre pour lui donner un petit côté un petit peu plus éthéré.
Voilà. Donc du coup, il a un petit peu plus de volume puisqu'on voit qu'il y a une zone qui est dans l'ombre et une qui est plus lumineuse. Et je vais d'ailleurs faire un petit peu la même chose par ici. Il y a un peu d'ombre sur ce côté-là du lys. Donc je vais reprendre un peu de ce vert. Et on va juste... On met un petit peu de vert et bien sûr on va flouter tout de suite. Et par transparence, ça va faire une couleur d'ombre, ça va donner un petit peu plus de volume. On peut peut-être même intensifier aussi la fente qu'il y a là. Et peut-être un petit peu la tâche aussi. Voilà. Et je vais faire aussi la même chose. Je vais intensifier un petit peu la tâche du bouton avec la tige. Je refais un petit peu de mélange. Voilà. Alors, pour cette grande fleur-là, j'aimerais aussi trouver cette attache. Donc, la fleur est assez conique. Donc, voilà, on va essayer de trouver un petit peu toutes ces veines qui parcourent les pétales. Voilà. Je rince mon pinceau et je vais venir aussi flouter par ici. Pour que ça ait un petit peu plus de liaison avec le reste. Et tout de suite aussi, ça donne un petit peu plus de volume à la fleur. Ça lui donne justement un petit peu plus d'importance. Alors ici, on a une ombre. Et ça va peut-être être un peu délicat à faire, mais je vais essayer quand même. Je vais prendre un peu de gris, on va dire. C'est un petit peu ce qui se passe ici, c'est un mélange de couleurs un peu indéfinissable qui est entre le vert et le gris. Et je vais faire un petit peu de la même chose que ce que j'ai fait par ici. Je vais appliquer cette couleur et tout de suite, je vais flouter. Et ça donne juste par transparence une ombre. J'essaie de pas de l'accentuer plus que ça. J'essaie de vraiment de rester en légèreté ici. Alors, on va retravailler un petit peu le feuillage qui est ici. Et je vais reprendre mon pinceau plat à bout ovale pour faire un petit peu ce feuillage. Et je vais reprendre le même mélange de couleurs, c'est l'indigo et le jaune de nickel azo, qui est ici la laque de Garance Rose. Pardon, la laque jaune, je pense que je suis fatiguée aujourd'hui, et je dis un peu n'importe quoi. Peut-être encore un petit peu plus de laque jaune, voilà. Pour avoir un vert assez tendre. Donc un bel équilibre entre le jaune et le bleu. Merci Eliane. Alors, ici je voudrais vraiment avoir une feuille de lys. Et peut-être une aussi par ici. Alors les feuilles de lys sont plutôt longues et pointues, donc... C'est un peu ce que j'essaye de faire. Voilà. J'essaye de trouver aussi les tiges pour que ce soit cohérent. Alors, je vais reprendre un peu de mélange et je vais recréer aussi une feuille par ici. Voilà. Je vais l'intensifier cette feuille que je viens de faire parce que faut que je remette de la laque jaune parce que j'en ai vraiment plus assez. Hop. Voilà, ça sera un petit peu plus agréable à travailler s'il y a plus de pigments dans ma palette.
Oui, je voudrais intensifier cette feuille-là parce que il y a des taches en transparence et je voudrais juste que la feuille se voit plus que les taches. Même si les taches ne me gênent pas du tout, c'est vraiment en plus la feuille que je veux voir. Je vais faire peut-être un petit peu la même astuce que ce que j'ai fait. Voilà. Sur les feuilles d'eucalyptus, j'ai mis un mélange un tout petit peu plus foncé aux attaches et je trouve que ça donne tout de suite un petit peu plus d'idées de dimension dans ces endroits-là. C'est pas grave, Palma, prenez votre temps, regardez-le tranquillement chez vous à la maison, en oubliant tous les problèmes de transport et de connexion. Et vous en profiterez encore mieux. Merci Nicole. Merci Palma. Alors, on va essayer de créer maintenant ce petit fouillis de feuillage un petit peu plus fin. Je vais reprendre toujours le même mélange. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai cette palette, pour travailler avec des couleurs un petit peu plus restreintes que ce que je peux faire de temps en temps. Je me laisse un peu emporter. Et on va essayer de trouver un moyen pour faire cette texture. Et peut-être qu'on va commencer avec un peu les tiges avec ce pinceau-là. Voilà. Donc on va faire des tiges un peu toutes fines qui vont un peu partir dans toutes les directions. Et ensuite on viendra poser les petites feuilles. Voilà. J'en fais plus que ce qu'il y a dans mon bouquet à l'origine, mais ouais, voilà, tout un réseau comme ça de tiges. J'essaye de ne pas être trop systématique parce que c'est la nature, il n'y a pas de sens, il n'y a pas forcément de logique. Donc il faut essayer de travailler ça de manière très aléatoire, et c'est pas forcément évident, mais je pense que là ça fonctionne. Et alors je vais essayer de pas trop attendre, voilà, et on va faire un petit peu ce petit feuillage. Donc là je me sers de la pointe de mon pinceau ovale pour réaliser ce petit feuillage en donnant des petits coups de pinceau sans trop appuyer pour vraiment profiter juste de la pointe. Et si c'est pas totalement les mêmes formes partout, c'est pas très grave. Au contraire, c'est plutôt une bonne chose. Parce que ça va donner ce côté aléatoire en fait que je recherche. J'essaye vraiment juste de suivre les tiges que j'ai créées juste avant. Et comme j'ai plus beaucoup d'aquarelles sur mon pinceau, je refais mon mélange et j'hésite pas à le refaire. J'aime pas trop préparer des tonnes de mélange de couleurs dès le début parce que j'aime bien juste modifier un tout petit peu le mélange pour qu'il y ait des tons un petit peu différents. Et j'hésite pas aussi à faire en sorte que certaines feuilles se superposent, puisque c'est le cas dans la réalité. Donc on peut totalement les faire se superposer. On peut les faire un peu plus sombres, un peu plus clairs, donc plus d'indigo ou plus de jaune. Voilà. Alors je vais rincer un petit peu mon pinceau et je vais reprendre du jaune, de la laque jaune, et je vais juste la mélanger à ce qui reste de mon mélange. Et je vais refaire quelques taches comme ça.
Et par moment, on peut faire aussi des zones un tout petit peu plus intenses en couleur. Pour les tiges, je préfère quand même qu'elles soient un tout petit peu plus foncées. Et on va essayer aussi de suivre ce qu'il y a. Voilà. Alors, je vais juste flouter certaines tiges dans le vase pour leur donner un petit peu cet effet. Elles sont dans l'eau, elles sont un petit peu moins visibles. Et voilà. Alors, je vais reprendre mon pinceau en forme de dague et le mélange que j'ai ici. Peut-être l'intensifier encore plus, donc plus de pigments, moins d'eau dans le mélange. Et je voudrais juste vraiment trouver un point plus sombre par ici. C'est déjà sec, hein, donc c'est pour ça que j'hésite pas trop à y aller. Je sais que ça ne va pas trop bouger. Je diffuse légèrement vers la fleur et pas vers la tige. Voilà. Et aussi par ici. Alors, je pense que pour la grande majorité du feuillage, on est bon. J'ai besoin de plus de détails dans les lisses. Donc je vais reprendre la laque de Garance Rose et une pointe de laque jaune ou jaune de Nicalazzo. Et je vais juste intensifier vraiment certaines lignes. Peut-être une ici, peut-être quelque chose par là. Voilà. Je repasse sur mes lignes avec mon pinceau juste rincé avec de l'eau pour juste les flouter un peu. Voilà, on va faire un petit peu la même chose par ici. Hop. Et même si c'est un détail et que ça n'apporte pas beaucoup de couleur, je trouve que ça remet un peu le centre d'intérêt vers les fleurs. Bon, bien sûr, il faut encore que je fasse les pistils, mais le travail du feuillage, en fait, avait mangé un petit peu l'attention des lisses. Et donc je voulais faire juste ça pour retrouver un équilibre en fait dans la composition. Alors la zone est sèche, donc on va faire ces pistils. Donc là je mélange pas mal de pigments, donc la laque de Garance Rose et le jaune de Nicalazzo pour avoir une sorte d'orangé. Et je l'ai fait à un endroit où il y avait déjà des pigments d'autres choses pour salir cet orangé et lui donner un côté un petit peu plus rouille. Et alors, on va essayer de trouver un petit peu ces pistils. Hop. Alors même si ce n'est pas la couleur en vrai, je vais juste faire la tache avec la rouille, la couleur rouille. Et je vais essayer de trouver aussi peut-être un pistil par ici. Voilà. Alors, je trouve qu'il manque une branche d'eucalyptus sur le devant pour équilibrer les couleurs. Peut-être.
Peut-être. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas totalement, ça c'est vrai. Et je pense que j'ai envie d'aller encore plus foncé dans les couleurs. Donc, je reprends ce pinceau-là. J'ai trop d'eau sur mon pinceau. Voilà, c'est mieux. Donc, je reprends de l'indigo. Hop. Et là, vous voyez que la couleur est bien bien dense, il y a beaucoup de pigments. On va lui mettre une pointe de jaune. Et on va faire quelques traces beaucoup plus sombres par ici. La zone est encore humide, donc ça va se fondre à certains endroits. Et alors, je vais reprendre aussi le gris océan. Il est un petit peu plus long à réactiver parce que je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Alors, je réfléchis et je me dis que pour balancer ce problème de couleur, je ne peux pas vraiment rajouter de branches d'eucalyptus parce qu'on n'aura pas cette transparence et cette fraîcheur de la première couche. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ajouter ce gris océan sur cette zone-là, fondre le bord du vase dans le gris océan pour donner un côté peut-être un petit peu plus éthéré à ce bord du vase. Et peut-être qu'il y ait moins d'attention sur cette zone claire, parce que la zone qui est au-dessus est assez sombre, et donc on a cette zone claire qui attire l'œil. Qu'on va essayer, parce que pourquoi pas, et il n'y a rien à perdre à essayer. Donc je vais mettre ce gris océan sur toute la zone, jusqu'au vase. Je vais rincer mon pinceau. Et on va juste fondre pour qu'il y ait un dégradé qui se forme. On peut aussi rajouter un petit peu d'indigo. Et aussi monter dans le feuillage. Et dernier détail, je vais reprendre le gris océan sur mon pinceau. Et on va en mettre un petit peu ici aussi. Voilà, je rince et je viens flouter à cet endroit-là. Comme ça, on a un peu l'impression que l'ombre passe derrière le vase, qu'il y a une zone de lumière ici. Et d'ailleurs, on peut rajouter un petit peu de sombre par ici. Alors, c'était peut-être un petit peu trop. Voilà. Voilà. Et je viens aussi rajouter un petit peu de ce bleu océan, ce gris océan, dans le feuillage pour qu'il y ait une jolie transition entre les deux. Alors, il y a peut-être cette zone-là qui est trop marquée. Voilà. Oui, Eliane, je suis totalement d'accord avec vous. C'était une très bonne idée parce que ça assoit le sujet un petit peu plus vers le bas à gauche. Et du coup, on a plus d'énergie qui monte. Donc, c'était une très bonne chose. Alors, merci Marie-Cécile d'avoir suggéré ça. Bon, en tout cas, d'avoir suggéré qu'il y avait un problème.
Alors, je voudrais juste mettre un petit peu plus de volume dans cette zone-là parce que les pétales, le feuillage, pardon, est assez plat à cet endroit-là. Donc, je refais un peu de mélange avec de l'indigo et de la laque jaune. Et je remets un petit peu de cette couleur un petit peu plus foncée à certains endroits. Vraiment beaucoup moins que au premier passage. Parce que c'est juste pour donner un petit peu de relief. Je ne cherche pas à faire plus que juste ajouter du relief. Voilà. Alors, je pense que c'est terminé. Je regarde l'image que j'ai du retour du stream pour voir en plus petit ce que ça donne. Ça me permet de prendre du recul aussi. Et je pense que c'est plutôt pas mal et qu'on peut s'arrêter là. Oui, je ne vois plus rien ajouter pour le moment. Alors, merci à tous d'avoir participé à cette démonstration et j'espère que ça vous a plu. Et de ce que j'en vois, apparemment, oui, ça vous a plu. Merci à tous. Et Pierrette, il faut toujours oser de faire quelque chose un peu fou parce que c'est comme ça qu'on se rend compte si ça marche ou si ça marche pas. Si ça marche pas, c'est pas grave, on prend une autre feuille, on recommence, on s'amusera aussi, hein. Et si ça marche, eh ben c'est plutôt une bonne chose. Donc il faut tenter. Alors, si vous avez réalisé cette aquarelle en même temps que moi, n'hésitez pas à m'envoyer une photo de votre création. Vous pouvez le faire via Instagram, par exemple, quand ça fonctionne. Vous pouvez m'envoyer soit me taguer sur la photo directement. Mon compte Instagram est juste en dessous dans la barre de description si vous le cherchez. Donc vous pouvez me taguer sur votre photo ou vous pouvez aussi me l'envoyer en message privé. J'essaie de toujours vous répondre et j'espère que je n'oublie personne quand je réponds. Et dès demain, je ferai une photo de cette aquarelle et je la mettrai sur le blog pour que vous puissiez la voir en meilleure définition. Et je ferai aussi quelques zooms parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir quelques zooms sur l'image. On va se retrouver vendredi pour une nouvelle vidéo. Et ce sera des fleurs des champs, si je ne me trompe pas. J'ai fait plusieurs vidéos d'avance et du coup, je ne sais plus où j'en suis dans mon planning, mais il me semble que ce sont des fleurs des champs et ça va être assez intéressant. Donc j'espère que je vous y verrai là-bas. Et bien sûr, on se retrouvera aussi mardi prochain pour un nouveau direct. Et le sujet, ce sera l'automne. J'essaierai de poster mon image de référence assez vite pour que vous puissiez peut-être essayer de votre côté avant de voir ma démonstration. Eh bien, merci à tous d'avoir participé. Donc, comme je l'ai dit, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo et mardi prochain pour un nouveau direct. Bonne soirée à tous et à très bientôt.